Bonjour peuple du chemin du ciel, d'ici et de la diaspora. Nous sommes encore sur le plateau de Ciel TV pour toujours vous parler de nos sons. Voilà, la dernière fois nous avons dit que nous avons 150 sons pour le mois d'avril 2018. Et aujourd'hui nous sommes sur le plateau de Ciel TV encore pour vous donner 3 à 4 titres de nos morceaux afin de pouvoir vous égayer. Les titres phares pour la promotion. Nous avons d'abord pour le premier chant Glélao qui est chanté en guéré. Voilà, ce chant a été inspiré par une maman de la diaspora. Elle nous a envoyé le son et on a travaillé là-dessus. Ça fera partie des 150 titres. Et comme c'est Maître Deep lui-même qui l'a chanté, il va nous parler un peu de ce chant-là. Glélao, Mbali Yeye, Midale Kona Mundando. Mbali Yeye, Mbali Zankwa. Voilà un peu le premier titre qui est fait en live par Papa Deep. Et nous avons encore un second titre qui est intitulé Poumi. Voilà, Papa Deep va nous fredonner encore ce chant-là. Mama, hey, y'a le Poumio. Mama, hey, y'a le Poumio. A vous souhaiter. Un troisième chant qui est intitulé Tu ne vas plus souffrir. Pourquoi tu ne vas plus souffrir, Papa Djibi? Effectivement, Dieu a envoyé quelqu'un en Côte d'Ivoire, sinon pour le monde entier. Dieu lui a dit, dans les églises, mes enfants souffrent. Donc moi, Dieu, je t'ai choisi pour que tu puisses libérer le monde entier. Et ce chant a été inspiré par le Dieu de Papa Djibi. Amen. Tu vas plus souffrir, oh. Tu vas plus souffrir, tu vas plus souffrir, oh. Tu vas plus souffrir, tu vas plus le porter, oh. Tu vas plus le porter, et pardon là, tu vas plus le porter, oh. Tu vas plus le porter. Je remarque dans ce chant qu'il est chanté un peu en zoublou. Effectivement. Donc ça veut dire qu'il y a tout type de mélodie dans nos sens. Effectivement, il y a plus de styles. Nous sommes en live et on fait tous les styles. Rien que Akpongo, Bossa, Salsa, Rumba, Zouglou, Rumba, okay. Kaka, les louanges, l'adoration, R&B, slow. Ok, bon. L'adoration. Nous allons parler aussi du quatrième titre de la promotion qui est intitulé Égypte. Pourquoi Égypte? En Égypte, il y avait là-bas la souffrance, la misère. Du peuple d'Israël. J'ai maltraité les chrétiens, le peuple d'Israël. Ont été maltraités. Donc il a fallu Moïse que Dieu a choisi pour faire sortir Israël. Et ce Moïse-là, c'est Papa Florian. Amen. Il y a une puissance de Moïse. Oh, Moïse parlait de Dieu corps à corps. Et maintenant, Papa Florian aussi, il parlait de Dieu corps à corps. Amen. Donc c'est la même chose. C'est le Moïse de la nouvelle génération. Moïse de la nouvelle génération. C'est Papa Florian. Vous allez nous fridonner. Je n'irai plus en Égypte. Je m'en vais en Israël. Je n'irai plus en Égypte, je m'en vais à Canaan. Je n'irai plus en Égypte, je m'en vais à Canaan. Je n'irai plus en Égypte, je m'en vais à Canaan. Amen. Ah oui, on n'ira plus en Égypte. Maintenant, c'est la voix de Canaan qui est au devant de nous. Et nous allons parler maintenant de notre dernier titre de promotion. Vraiment, ce titre-là nous fait beaucoup rire. Effectivement. Papato. Oui. Hey, pourquoi ça? Il y a personne. On ne les a pas envoyés. Mais aimer sa voix. Ben, ah oui, ah ouais. On n'a pas demandé, bon, on n'a pas posé une question. Mais ils sont pas pour répondre à une question. Ils s'assoient, ils s'assèrent pour parler des personnes. Oh, le blanc, tu n'as pas parlé de parler de quelqu'un. Non. Quand le blanc, il parle du travail, comment avancer? C'est ça. Mais nous, les noirs, on s'assoit pour parler de quelqu'un. Comment le tuer? Comment elle finit? Comment elle nuit? Comment le détruit? Dans ce champ est bien placé. Vraiment, c'est ça bien me dit. Placé. Dis-moi pourquoi pressé, tu es trop paratoé. Pressé, tu es trop paratoé. On t'a même pas envoyé. Tu es trop paratoé. Tu veux t'envoyer. Tu es trop paratoé. On t'a même pas envoyé.
Et bien voilà pour vous le peuple du chemin du ciel de la diaspora. Voilà en quelques minutes les 5 filles de la promotion que nous vous avons présentées. Le premier qui est Glélao, le deuxième qui est Koumi, le troisième tu ne vas plus souffrir, le quatrième Égypte et le cinquième Papato. Donc que le Dieu de Papa Florian vous bénisse. Dans peu de temps vous aurez ça sur les réseaux afin de pouvoir écouter. Soyez bénis. Bonjour Vicente, qui est le bassiste du groupe Onction Suprême, oui. Qui est sur le plateau de CLTV, oui. Toujours pour parler des 150 titres, mais aujourd'hui la particularité, c'est les 5 titres pour la promotion. Oui, oui. Alors Vicente, vous allez nous parler un peu d'où est-ce que vous avez tiré votre formation, qui vous a formé à la basse. Merci. En fait, la basse, j'ai été formé par un Libérien qui est aujourd'hui... en Amérique, le nom de Darlington. Avec lui, j'ai beaucoup kiffé, comme on le dit, j'ai beaucoup appris. Et c'est ce qui fait que dans les 5 trucs qu'on vous présente, dans les 150 trucs qu'on a fait, les 5 trucs de promo, vraiment, c'est cette expérience qui m'a donné, et suivi de, comment dirais-je, du Dieu de Papa Florian, j'ai pu quand même placer mes mélodies en fonction de par la grâce de Dieu et par les inspirations. C'est ça. Merci beaucoup. Donc vous allez nous parler un peu comment est-ce que vous avez apporté votre contribution aux 5 titres de la promotion. Oui, mais comme tu le sais déjà, dans les 150 morceaux, j'ai eu à jouer dedans. Comme quand on parle de guitare basse, on parle toujours de mélodie. Donc dans les 5 morceaux, au fait, c'est toujours la même mélodie que j'ai donnée. Avec une concentration, voilà, pour me baser surtout sur la guitare, la corde. Bon, ça a été tellement facile pour moi, je ne sais pas comment dire ça, mais j'ai pu apporter de très belles mélodies. Merci beaucoup, Vicente. Merci beaucoup. Le Dieu de Bar Florian vous bénisse. Bien. Bonjour Jean-François. Bonjour. Vous êtes sur le plateau de CLTV. Alors, on va aller voir au but. Vous allez nous dire au moins ça, qui vous a formé dans la guitare solo. Bon, clairement, je peux dire que j'ai été auto-formé, c'est-à-dire que moi-même, j'ai suivi les doyens qui jouaient, puis je les ai regardés, c'est eux qui m'ont dit, prends ton doigt ici. Ah bon? On peut dire que c'était une situation comme ça. Et c'est pour développer que je suis venu à Abidjan pour continuer les études à l'INSAC. C'est formidable. Donc, vous allez nous dire quelle a été votre particularité, votre contribution dans les 5 morceaux de promotion que nous sommes en train de présenter présentement. Bon, en tout cas, dans les 5 titres pour la promotion. C'est Dieu de m'avoir fouillé en tout cas, parce que j'ai été comme indécis, parce que la guitare solo, c'est comme si j'étais le chanteur en quelque sorte. Voilà, donc j'ai chanté la chanson, c'est-à-dire si on enlève la voix, vous allez voir que la guitare continue. C'est ça. Et puis j'ai fait les accompagnements, donc c'était facile. Ok, soyez bénis. Bonjour Landry. Bonjour. L'un des trompettistes du groupe Onction Suprême. Effectif. Ok, on va aller droit au but. Vous allez nous dire quel a été votre apport dans les 5 morceaux de la promotion. Merci bien. Je salue déjà tout le monde, le peuple du chemin du ciel, d'ici d'ailleurs. Je peux dire en un mot, la trompette a été une inspiration de Dieu, un don vraiment divin de la part de Dieu, parce que je n'ai ni faire école de musique, ni même avoir un maître de musique. Donc, j'ai venu par inspiration divine. Et concernant un peu le titre, il faut dire que ça n'a pas été du tout chose facile parce qu'avec le studio, il faut avoir la précision, la justesse, la synchronisation. Et aussi avec le Papa Florian qui est lui-même à la partie technique, qui suit les moyens mouvements, les faits et gestes. Avec lui, c'est la perfection en fait, voilà. Donc il est là à tout moment pour nous coacher comment est-ce qu'on va jouer, la sensibilité qu'il apporte à la chose. Donc avec lui, il faut être vraiment synchro. Donc c'est par son Dieu que vraiment tout s'est bien passé. Soyez bénis. Bonjour Rodolphe. Bonjour à tous. Voilà, bienvenue à CLTV. Ah, on va aller droit au but. Hein. Okay. Vous allez nous donner quel apport vous avez apporté dans les 5 titres de la promotion. Vous allez parler au peuple du chemin du ciel et de la diaspora. Ok, moi c'est Dolfo Diaz. Ce qui m'a plu dans le studio, c'est le travail de groupe, le travail de famille. Voilà. Il y avait une certaine harmonie dans ce qui m'a plu. Et puis en plus, il y a les harmonisations des cuves que j'ai fait avec mon collègue Landry. En tout cas, je suis vraiment content. Le Dieu de Papa Florian m'a vraiment aidé. C'est un instrument qui n'est pas vraiment facile. Hein? Très, très dur.
Mais avec le Dieu de Papa Florian, on a géré. Soyez bénis. Alors nous sommes avec l'un des batteurs du groupe Onction Suprême, qui est superbement habillé. Oh, on va aller voir au but alors. Jean-Jacques, vous allez nous dire quel a été votre rapport sur ces 5 titres de la promotion que nous sommes en train de présenter au peuple de Dieu. Voilà, merci. Bon, moi j'aimerais dire que la batterie, c'est disons, le don de Dieu. Au fait, quand nous travaillons au studio, nous voulons apporter tellement plus que le papa Florian lui-même nous dit qu'à de jouer plus simplement possible, que ça soit plus. Pour qu'il y ait voilà, l'esprit, voilà, pour que ça puisse toucher les jeunes. En tout cas, moi, je tiens à dire merci, j'aime le papa Florian. Donc, ils seront servis, hein. Ah, très servis. Ok. Mettez votre joie. Qui vous a appris à jouer à la batterie? Bon, la batterie, j'ai pas fait l'école de musique. Voilà, c'est un don de Dieu, c'est en regardant. On coutoyait les yeux, les doigts. C'est sur l'état voilà, que vous avez appris. Sur l'état que j'ai appris. Ok, soyez bénis. Ok, merci. On est avec le deuxième batteur du groupe Onction Suprême, M. Damois Clément, qui va nous parler aussi de sa contribution sur les 5 titres que nous sommes en train de présenter. Bon, il y a rien de grave, parce que ce n'était pas facile. Mais avec l'aide du Dieu du Papa Florian, tout s'est bien passé. Vous savez qu'en studio, l'enregistrement, tout repose sur la batterie. Parce que la batterie, c'est le poumon du groupe musical. Donc, par l'aide du Dieu du Papa Florian, tout s'est bien passé. Vous avez appris sur l'état où vous avez reçu l'information? Oui, bon, on m'a. Le maître JB, le patron, qui m'a donné un pouce à la batterie. Au fur et à mesure, avec les bosses, tout s'est bien passé. Dieu merci. Ouais. Soyez bénis. Amen. Bonjour, chef Nero, le grand arrangeur. Bonjour, Sonatia. Et bon, vous le connaissez déjà? C'est lui vraiment qui habite tous nos sons. Aujourd'hui, il va nous parler des 5 titres de promotion que nous sommes en train de vous présenter. Amen. Il va nous donner un peu les failles, qu'est-ce qu'il n'a pas, en tout cas, vraiment tout. C'est lui, Néo, qui habite tout. Et c'est lui aussi qui danse aussi. Ah oui. Parce que quand on fait le son, je danse. Voilà, donc voilà, c'est un peu ça. Bon, danse pour ton produit. Ah, je danse pour mon produit parce que c'est bien fait. C'est ça. Et quand c'est bien fait, je suis content, je danse. Effectivement. Voilà. Donc les 5 titres qui sont tirés dans les 150 sons, en tout cas, ce n'était pas facile. Vous voyez, quand on fait des arrangements, quand on finit de jouer, quand tout le monde finit de jouer, les musiciens finissent de jouer, il y a des failles, il y a toutes des failles. Voilà. Parce que le batteur, par exemple, son pied peut se fatiguer, il peut se tromper. Tout de suite, il faudrait que je coupe là pour couper, pour régler, il y a des trucs. Et avec ces trucs, c'est toujours suivi par le Dieu de Papa Florian. Parce que Papa Florian lui-même l'a assis et puis dit là, ça n'est pas bon, coupe. Et c'est comme ça qu'on fait le montage. Voilà, et c'est ça, vous avez aujourd'hui les 150 sons, il y a 5 dedans qu'on a tiré pour faire la promo. La promotion. Voilà, la promotion. Ok, et notre arrangeur, il va nous parler un peu s'il a reçu une formation de l'arrangement ou bien c'est l'esprit des dieux, bon, c'est sur l'état. En première position, j'aime la musique. J'aime la musique. Et j'ai vu les gens travailler, je vais dans le studio, je vois les gens travailler, et comme ça je regarde et je vais à la maison, je fais la même chose. Et il y a un monsieur qui a fait un studio et j'ai dit que non, je vais travailler. Il m'a demandé si c'est arrangeur. J'ai dit non, je ne suis pas arrangeur, mais je veux apprendre. Et c'est comme ça, il a dit, ah, lui, les gens qui aiment apprendre. Parce que vous aimez la chose. J'aime la chose. Et c'est comme ça, il a envoyé un arrangeur, c'est lui, j'ai payé les petits trucs pour lui donner, parce que je ne paye pas. Voilà, il va me donner sa reconnaissance gratuitement. Donc, il faudrait que moi, si je le plaque un peu avec des petits biscuits, pour qu'il puisse me donner sa reconnaissance. Voilà, donc c'est comme ça, un peu. Et c'est pour que je sois puissant pour l'arrangement, c'est au chemin du ciel. Parce que je ne connaissais pas l'ordinateur IMA, MacBook, je ne connais pas. Et c'est au chemin du ciel que l'homme de Dieu a acheté pour travailler au studio. Et c'est là que j'ai appris. Parce que tous les instruments qui sont là-bas, tout est venu des États-Unis. Moi, je n'ai jamais vu, je ne connais pas, je ne sais même pas comment on manipule. Et comme ça, Dieu a commencé à m'inspirer et tout de suite, j'ai commencé à maîtriser ces appareils-là. Mais aujourd'hui, tac, comme si c'est de l'amusement en fait. Ok, on va signaler que malgré que tous les musiciens partent à la maison après les enregistrements, oui, vous restez encore peut-être à des heures tardives pour finir les sons. Oui, ça, vraiment, je reste pour finir. Et souvent même, mon frère dit, me demande, allons va manger. Je dis, non, quand moi je travaille là, je vais descendre pour aller manger, c'est perdre du temps. Donc, je préfère ne pas manger jusqu'au soir. De 7h30 jusqu'à 17h, je ne mange pas. Tout ça pour me concentrer sur les arrangements. Et donner un bon produit au peuple de Dieu. Voilà. Et si tu n'aimes pas la chose, tu ne peux pas faire ça, juste un sacrifice. Okay. Voilà. Soyez bénis, notre arrangeur. Merci.
Alors, nous sommes avec le grand pianiste, Monsieur Mike, le grand pianiste du groupe Onction Suprême. Ah oui, ce grand pianiste qui a joué pratiquement sur tous les 150 morceaux. Mais présentement, nous allons parler des 5 titres de promotion. Donc, notre pianiste va nous parler un peu de sa contribution sur ces 5 titres-là, son apport. Bon, faut dire d'abord, je suis content d'être sur ce plateau. Je dis un grand merci du prof Florian. Parce qu'il faut dire que c'est pas évident de travailler avec un homme de Dieu qui est choisi. Il y a eu beaucoup d'hommes de Dieu avec lesquels on a travaillé, les pasteurs et consorts. Mais il faut dire un homme de Dieu qui est appelé, qui n'a pas choisi de faire le travail de Dieu, qui est appelé, François pas choisi, parce que tout se passe en esprit. Alors les 5 titres ont été choisis par Dieu, par Florian, parce que nous sommes un peu comme des robots en travaillant avec lui. Il dit bon, c'est l'esprit de lui qui domine. Alors, travaille comme ça, fais ça, et tout va comme sur des roulettes. Ça porte toujours fruit. Toujours fruit, bien sûr. Voilà. Donc, notre pianiste va nous parler un peu s'il a reçu une formation quelconque ou bien s'il a appris le piano sur l'état. Donc, d'abord, il faut dire, merci pour la question, il faut dire que je suis d'une famille chrétienne. Alors, déjà, tout petit, j'ai intégré la chorale et de là, c'est parti. D'abord, on a côtoyé nos devanciers, on a juste apporté quelques. Juste les B.A.B.A. et puis de nous-mêmes maintenant, à gauche et à droite, avec quelques recherches, voilà. Et c'est dans tout ce parcours que j'ai atterri, je le dis par Florian, et voilà, il m'a façonné, il m'a dit comment jouer pour que ça puisse toucher l'âme. Vraiment. Voilà. Et quand vous jouez, vraiment, ça touche l'âme. Et vous avez des appareils de dernière génération. Effectivement, oui, on a adopté des appareils vraiment de dernière génération, dont le motif qui est juste derrière moi, un motif X7 de 6,5 octaves, près de 3,4 millions. Rien que pour la gloire de Dieu. Voilà. Et c'est avec ce piano, ce motif, qu'il m'a montré comment jouer, comment travailler dans les 300 sons d'abord, l'année passée, et aussi dans les 5 sons de promo. Wow. Et c'est avec ce motif que vous avez remporté le concours Une Intigance Fair Festival. Donc vous avez été le seul à pouvoir jouer. Voilà, j'ai été le seul à pouvoir jouer le motif. Parce que c'est pas chose d'aider de jouer ces différents motifs-là. C'est bien des générations. Quand tu n'es pas inspiré de l'Esprit de Dieu, c'est pas facile. C'est pas facile. Okay. Alors notre pianiste va nous fredonner au moins quelques petits sons sur ces 5 titres de promotion. Ok, pas de soucis.